Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. Alors, on se retrouve pour ce mardi 16 février pour le tirage des énergies générales et sentimentales. Hein. Là, pour le coup, c'est pour la journée. Donc, c'est très, très général. Alors, j'ai tiré en énergie dominante l'anneau. Donc, ça peut être un partenariat, un accord. On se serre la main, on conclut quelque chose. Ça peut être aussi une alliance, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une demande de fiançailles, demande de mariage, voire même, voilà, en tout cas, on va parler peut-être de mariage cette journée. C'est très positif, on est au moins en accord avec une personne, au niveau des idées, au niveau des projets, au niveau de nos désirs, de nos rêves. Donc là, pour moi, ce mardi-là va être très positif. Alors, on va voir avec les cartes. Alors, nous avons le cavalier. On voit bien les cartes, oui. On va faire comme ça. Parce que je la trouve belle, cette carte. Il faut quand même qu'on la voie, tant qu'à faire. Alors, nous avons le cavalier. Oui, quoi, de toute façon, je vais la recouvrir. C'est pas grave. Le cavalier et la jalousie. Donc là, à mon avis, il y a quelqu'un qui va venir, ou vous allez apprendre de façon très rapide, mais je pense que c'est quand même matérialisé par une personne. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Je dis bonnes nouvelles parce qu'il y a quand même cette carte qui est très bonne. Donc, vous allez apprendre de bonnes nouvelles assez rapidement. Ça va peut-être être inattendu. En tout cas, là, peut-être ça s'est passé lundi ou ça va se passer aujourd'hui ou mercredi, mais de façon vraiment très rapide. Et forcément, qui dit bonne nouvelle, qui dit réussite, il y aura forcément des jalousies derrière. Voilà. Donc, eh bien, vous allez faire face à des comportements qui vont peut-être vous décevoir parce que. Bah parce que les personnes autour de vous, au moins une personne, au lieu de se réjouir avec vous, vous allez ressentir de la jalousie. Elle ne va pas forcément vous l'exprimer. Ça sera plus ou moins caché. Mais en tout cas, vous allez déclencher de la jalousie autour de vous. Forcément. Et souvent, c'est en quoi que pas forcément aussi en rapport avec la richesse de la bonne nouvelle, la richesse du côté positif, c'est-à-dire plus ça va être beau pour vous et plus ça va attiser les jalousies. Même si la personne a plus que vous, hein, ça n'a rien à voir, qu'elle ait plus ou moins que vous. De toute façon, voilà, il y a des personnes qui sont jalouses, envieuses. Dès que vous obtenez une bonne nouvelle ou une réussite ou un gain de quelque chose, eh bien forcément la personne en face de vous est jalouse. Elle peut avoir autant, plus, mais il y a certainement un mal-être qui fait que qu'elle supporte pas que les autres soient heureux autour d'elle. Donc voilà ce que vous allez déclencher pour certains. Pour d'autres, nous avons le compromis. Bon, là, ça rappelle bien cette carte, hein, effectivement. Et nous avons la clé. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir. Alors, pour le coup, ça sera, le compromis pour moi ne sera pas aujourd'hui ou sera ce soir, demain soir, peut-être. Mais en tout cas, là, on parle de solution. Vous allez trouver la solution, le moyen, le chemin pour arriver à ce compromis, à cet accord. Donc là, pour ce mardi, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour avancer et pour conclure quelque chose et dans le positif. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez être rassuré s'il y avait des peurs, des craintes, des questionnements par rapport à ça. Pour beaucoup, mardi, ça va être la bonne solution. Vous allez avoir les bons éléments. Alors les bons éléments, ça peut être aussi. Vous allez être aidé de quelqu'un, vous allez avoir les bonnes informations, peut-être qu'il y a aussi, si c'est plus ou moins judiciaire, des témoignages qui vont être là accompagner votre dossier pour le rendre plus conséquent. Voilà, mais il y a de belles choses qui vous arrivent en tout cas et qui vous permettent d'avancer. Pour d'autres. Le livre, là, les tirages sont vraiment très clairs. Victoire. Eh bien oui, là encore, hein, de toute façon, c'est vraiment les énergies sont très très positives pour ce mardi. On voit bien effectivement que là, vous allez à la victoire, vous allez vers la victoire, forcément, hein, puisque là, il y a signature, compromis,
accord, vraiment, union, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous allez vers la victoire, ça c'est clair. Alors on voit quand même qu'il y a le livre. Donc soit c'est suite à des informations que vous allez chercher, soit c'est une formation, que c'est la fin d'une formation, ou alors le démarrage d'une formation qui va vous amener à la victoire. Là, il y a une notion de connaissance. Vous prenez connaissance d'éléments, vous allez, soit parce qu'on vous les donne, soit parce que vous allez les chercher, soit parce que vous vous formez pour ça. En tout cas, là, il y a de la connaissance, il y a de la sagesse qui vous permet cette victoire. Donc là, pareil, hein, victoire pour une signature, pour quelque chose de très concret. Signature, engagement. Voilà, vous allez vous serrer la main, vous êtes d'accord, vous êtes enfin d'accord. Voilà, je ne vous répète pas hein, l'énergie de cette carte, mais il est évident que ça vous mène à la victoire. Et on voit que là, ben, pour certains, ça sera grâce à de la sagesse, à une formation, une connaissance de quelque chose. Alors là, nous avons la verge et séparation. Alors là, pour le coup, c'est pas dans le positif, mais ça parle bien effectivement de tout ce qui est en rapport avec, le mariage ou l'union, pour le coup. Là, il y aura une séparation après de fortes disputes. Alors, c'est peut-être au sujet de votre intimité, au sujet de tout. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des disputes et qu'il va y avoir séparation. Soit il y a une mésentente à ce niveau-là, au niveau de l'intime, soit parce que il y a une trahison, c'est-à-dire qu'une des deux personnes est partie voir ailleurs, et donc séparation, en tout cas, il y aura de fortes disputes. Alors, les séparations peuvent venir effectivement d'autres choses, la cause peut être différente, ça peut être par rapport au travail, le rythme de vie qui n'est plus le même et qui n'est plus partagé. Le travail qui prend trop de place, peut-être que là, suite à un licenciement, problème d'argent, etc., il y a de fortes disputes et finalement, et ça entraîne, c'est peut-être la cause qui fait déborder le vase et ça entraîne la séparation dans le couple. Ça peut être à cause des enfants, si c'est ou à cause de. Si c'est une famille recomposée à cause des enfants de l'autre ou de notre façon ou l'autre. À une façon d'appréhender cette vie recomposée, cette famille recomposée d'une façon qui ne vous convient pas. Problème d'éducation, vous n'êtes pas d'accord. C'est voilà, il peut y avoir des tas de simplement à partir d'une embrouille ou qui a entraîné, qui a entraîné, comment dire, de la rancune. Une rancœur qui dure depuis longtemps. Là, il y a de grosses disputes. Les choses reviennent à la surface et il y aura séparation. Enfin, voilà, vous connaissez. En fait, tous les sujets peuvent amener à la séparation dans le couple. Tout dépend comment on l'appréhende, tout dépend de la gravité, tout dépend si on a pu se comprendre. Et là, on voit qu'eh bien, il y a un désaccord trop fort et il y aura une séparation, effectivement. Eh bien voilà, en tout cas c'était un tirage rapide à lire, à traduire. En tout cas, dans les trois quarts, pour les trois quarts des personnes qui regarderont cette vidéo, il y a très très belles énergies de réussite, de positif, vraiment. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous cliquez deux fois sur la petite cloche. Vous n'oubliez pas d'aller regarder sur ma chaîne et la playlist si vous ne voyez pas les vidéos arriver. Parce que normalement, vous en avez tous les jours, même parfois deux dans la journée ou trois, hein, suivant si vous tombez sur une hebdomadaire en plus et une mensuelle. En tout cas, les hebdomadaires, il y en a déjà quatre dans la semaine. Donc, vous voyez, n'hésitez pas ou faire le ménage hein, dans vos abonnements. S'il y a des abonnements pour des chaînes que vous ne regardez plus, eh bien, supprimez-les parce que ça donnera de la place aux nouvelles. Parce que quand il y en a trop, eh bien, nos vidéos passent à la trappe. Donc, ce qui serait un petit peu dommage. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous êtes chez vous, elle vous appartient aussi parce que sans vous, elle n'existerait pas. C'est un véritable partage. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain.